Pourquoi cette action? Je connais l'Afrique depuis 55 ans, 60 ans même, et j'y suis quand même assez attaché. Je suis, en tant que président de Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux-Gironde, heureux d'accueillir Pierre Castel dans cette maison. L'Afrique, et notamment sa jeunesse, ses nouvelles générations, attendaient de notre part une autre manière de travailler avec elle. Ce travail commun aboutit ce soir à la création du fonds de dotation Pierre Castel. D'abord, ce prix Pierre Castel, qui est remis annuellement, et nous allons mettre en place une bourse Pierre Castel pour essayer de promouvoir et d'encourager des jeunes qui sont ou qui se destinent à l'agriculture. La troisième action, c'est la possibilité également de financer ou de cofinancer des petits projets à fort impact. Et puis, ça c'est une préoccupation également du président, c'est à un moment donné pouvoir être caution bancaire. Pierre est tellement impliqué, attachant. Quelqu'un a dit tout à l'heure, c'est difficile de lui refuser quelque chose. Il y a eu une première sélection. 6 candidats sont passés au fonds de dotation. Alors c'est vrai que le résultat auquel on arrive ce soir est l'aboutissement d'abord de l'investissement de nos partenaires traditionnels de la ville de Bordeaux. Chaque lauréat donc, obtient 15 000 euros, qui est l'équivalent de 10 millions de francs CFA. Notre entreprise intervient dans la valorisation des produits de l'agriculture burkinabé par la transformation pour permettre aux gens de découvrir les potentialités d'un regorge avec notre agriculture. Je suis ingénieur de formation et je dirige cette entreprise du nom de Save Our Agriculture, qui veut dire en français Sauvons notre agriculture, au sein de laquelle nous avons développé et breveté des systèmes de production d'agriculture circulaire qui permettent d'élever des poissons et de nous servir des excréments de ces poissons-là comme engrais fertilisants pour cultiver des légumes biologiques. Nous voulons apporter des aliments de qualité, mais à des coûts raisonnables. On a lancé donc un système de production intégré, donc sur le modèle d'agriculture circulaire. On rachète la quasi-totalité de production des jeunes et des petits producteurs dans les céréales et les légumineuses qu'on transforme pour faire de l'aliment des animaux. Et ensuite, on carbonise les déchets agricoles et la déjection des animaux pour fertiliser les sols sur lesquels nous produisons des légumineuses et du céréales. Je crois que cette remise de prix ce soir symbolise déjà un nouvel élan. Un grand merci à tous ceux qui nous ont accompagnés. Il faut surtout remercier M. Pierre de Gaëtan. C'est lui qui s'occupe de tout. Il fait un travail monstre. Moi, je ne fais que le suivre. Je vous remercie pour votre présence. Je vous remercie pour votre implication, pour nous soutenir ce soir. C'est un moment qui est important pour nous, puisqu'on lance ce fonds. Mesdames, messieurs, je vous remercie d'être aussi nombreux, ce qui me donne du courage à poursuivre l'acte que nous avons commencé avec Pierre de Gaëtan. On sent qu'on n'est pas les seuls. Vous me réconfortez énormément. Je vous en remercie.